Salut les Vicariens, dans cette vidéo, je voudrais vous faire la revue de ce livre, Un Rome averti en vaut deux. Voilà un livre qui a été écrit par deux pointures dans l'univers du Rome, Christian de Montaguer et Jerry Gitani. On commence à avoir pas mal de livres dans l'univers du Rome, très intéressants. J'en ai quelques-uns ici, là, dans le coin bibliothèque de mon bar. Ce sont des livres très riches qui nous aident bien à découvrir l'univers du Rome. Mais ce sont des livres pour amateurs avertis. Leur contenu est souvent trop riche pour des amateurs non avertis qui auront souvent du mal à les digérer. Christian de Montaguer et Jerry Gitani ont voulu écrire un livre qui soit à contre-pied de cette tendance. Un livre simple, facile d'accès, pour de jeunes amateurs. Un livre qui soit un pur plaisir à lire, quel que soit le niveau que l'on est dans l'univers du Rome, et je trouve personnellement que le taf est super bien rempli. Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du Rome, avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Aujourd'hui, j'ai donc eu envie de te parler d'un livre dont je te recommande fortement la lecture. Si tu es un jeune amateur et que tu cherches un livre pour te plonger un peu plus dans l'univers du Rome, sans te prendre la tête, un Rome averti en vaut deux est un livre fait pour toi. J'ai eu l'occasion il y a quelques temps d'interviewer Christian de Montaguer et de l'interroger sur ce qu'il avait voulu faire passer aux jeunes amateurs avec ce livre. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement l'équipe des Épicuriens qui a su décrocher cette interview, vraiment chapeau. Si tu n'as pas vu cette interview et que cela t'intéresse, c'est par ici que cela se passe. Pour Christian, il y a une valeur très importante qu'il voulait partager dans son livre, c'est le plaisir. Et plus exactement, le plaisir partagé. Ce sont mes valeurs également et je les partage donc à fond. Alors, La Bête. C'est un livre de 240 pages. Et qui compte 200 références de Rome avec une note de dégustation et des anecdotes sur les bouteilles ou les distilleries qui les ont produites. Il y a aussi beaucoup de belles photos, vraiment de très belles photos des bouteilles. C'est écrit assez gros tout de même et c'est donc très facile et rapide à lire malgré l'épaisseur. Christian de Montaguer est très connu dans le petit monde du Rhum. Il est le premier à avoir ouvert une boutique à Paris uniquement consacrée aux produits des Antilles et surtout au Rhum. Je suis arrivé bien tard dans l'univers du Rhum personnellement, mais j'ai très vite fait sa connaissance. La première initiation au Rhum que j'ai faite, c'est chez lui. C'est lui qui m'a fait découvrir le Séverin, par exemple. Ce n'est pas toujours évident pour moi d'aller sur Paris, mais c'est toujours un plaisir de passer à sa boutique pour y trouver quelques pépites. Jerry est quant à lui un puits de connaissances dans l'univers du Rhum. Je découvre une vision particulière de cet univers avec lui. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter et cela a toujours été très enrichissant. Je me souviens d'une fois où j'ai été chercher conseil pour trouver un rhum idéal pour de jeunes amateurs ayant du plaisir avec les rhums sucrés. Je voulais en trouver deux. Un premier qui soit sucré, mais tout de même qualitatif pour un jeune amateur qui est dans la découverte. Et un deuxième qui ne soit plus sucré, mais toujours accessible pour cet amateur. Il m'a proposé deux rhums qui m'ont beaucoup plu et le deuxième, je l'ai même encore acheté une deuxième fois après l'avoir fini la bouteille. D'ailleurs, celle-ci aussi est en fin de vie.
J'ai beaucoup aimé la manière dont est contée l'histoire du rhum à travers les différentes références de rhum présentées dans le livre. Les bouteilles ne sont pas là que pour parler du rhum qu'elles contiennent, mais aussi pour faire un support pour conter l'histoire de leur distillerie ou de l'île où elles ont vu le jour. La passion et le plaisir sont bien présents à travers la lecture de ce livre. Je réapprends à voir le rhum selon les yeux de Christian et de Jerry. Il est plaisant de se replonger dans certaines thématiques avec simplicité, sans aller très profondément dans la technique, mais juste ce qu'il faut pour bien comprendre les principes. Il fallait certainement s'en douter, avec deux auteurs venant de nos Antilles françaises, près de la moitié du livre est consacrée au rhum agricole. Mais nous avons tout de même l'occasion de faire une exploration des rhums du monde à travers ce livre, que ce soit issu de pur jus de canne ou de mélasse, des blancs, des vieux, des doux, des secs. Cela a dû être un choix cornélien pour faire la sélection de l'autre moitié des rhums, le choix étant bien plus important. Cette deuxième moitié est tout de même très riche, avec un parcours de toutes les variétés de rhum que l'on peut trouver dans l'univers du rhum, aussi bien pour les jeunes amateurs que pour les plus avertis. Au fil du livre, on passe sur des pages entièrement consacrées à un élément qui compose l'univers du rhum. Entre les notes de dégustation, il y a des chapitres consacrés à la vulgarisation. Il y a la production du rhum, son histoire, mais aussi des idées de cocktails, la découverte des arômes, les accords mets et rhum. J'ai d'ailleurs été très intéressé par le passage sur les rhums de type hispanique dans le vieillissement. La mention du fait que les méthodes employées clivaient fortement les amateurs, mais qu'elles permettent à de nombreux amateurs de se plonger plus facilement dans l'univers du rhum. La roue des arômes proposée dans le livre est très intéressante. Elle est très facile d'utilisation. Elle est parfaitement compréhensible, même pour un jeune amateur ou un amateur venant des Antilles, qui n'a pas les mêmes références culinaires. J'ai personnellement adoré cette lecture et je suis fier d'avoir un exemplaire dédicacé par les deux auteurs. C'est assurément une lecture à faire avec un petit rhum à déguster. Si tu ne l'as pas déjà dans ta bibliothèque et si tu ne dois acheter qu'un seul livre sur le rhum, jeune amateur, c'est LE livre que je te recommande. Lis-le et dis-moi en commentaire ce que tu as pensée de ta lecture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit 3 livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier livre que je te propose est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhums à moins de 50 euros. Le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes rhums arrangés. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne partage pas sur mon blog ou ma chaîne YouTube. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes les questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé les épicuriens !